Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En 2020 et 2021, l'e-commerce a généré 820 milliards de dollars dans le monde, hein, et 720 millions de commandes effectuées dans le monde. Peut-être que ces chiffres ne vous disent rien, mesdames et messieurs, et moi, ça me dit quelque chose. Ça fait quelques jours, Facebook a mis à jour ses algorithmes. Il y a une nouvelle version, hein, une nouvelle version d'interface des audiences Insight. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons l'explorer et le découvrir ensemble. Allez, let's go. Je vais partager mon écran tout de suite. Ouais. Voilà. Alors, là, nous sommes sur la barre de recherche de Google. Google, le moteur de recherche le plus puissant du monde. Tout de suite, nous allons aller. C'est le Facebook Business Manager. Hein, Facebook Business Manager. Je vais vous mettre le lien en description. Vous cliquez direct, comme ça, nous allons atterrir directement ici. Voilà, c'est un peu long, mais on va y arriver. Voilà, c'est le lien, celui-là qui est là. Hein, ce lien-là. Vous cliquez là. Alors, comme vous pouvez le savoir, dans cette chaîne, vous aurez toujours des astuces claires et simples pour vous accompagner, hein, dans vos créations, pour vous accompagner, dans vos divers business en ligne, dans vos projets, hein. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Cela peut être une intention que vous avez. Et aujourd'hui, nous allons découvrir cette interface qui pourra vous aider. Alors, de même que le vent pousse, hein, un bateau vers l'ouest et de l'autre vers l'est, hein, ici, la loi d'autosuggestion vous élèvera et vous abaissera selon l'inclination de vos pensées. Hein. Si vous pensez que vous êtes battu, bah, vous serez battu. Voilà, nous sommes ici sur l'interface. Hein. Ça, c'est l'accueil de suite, le suite business manager. Nous sommes ici là, nous sommes ici là. C'est ma page, hein, c'est ma page personnelle. C'est pas une page de client, c'est ma page personnelle. Et vous allez voir ici, nous sommes directement sur la page. Vous pouvez voir ici, j'ai des messages. Ah, ça répond pas. J'espère que ça va aller parce que lorsqu'on fait le partage en même temps on fait le partage et qu'on est aussi des vidéos d'enregistrement, ça prend beaucoup d'internet et du coup ça a tendance à bugger, hein, mais ne vous inquiétez pas, nous allons avancer. Nous allons avancer parce que ce tuto-là, c'est cette personne-là que vous voyez là qui m'a demandé, c'est lui qui m'a dit que voilà, l'interface Audience Insight a changé. Effectivement, ça a changé. Et c'est pour cela que c'est pour le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer la nouvelle interface. Voilà. Donc, ici, tout de suite, vous allez là, hein, là, autre outil, vous cliquez. Si vous cliquez là, vous allez voir. Voilà. Nous avons directement ici audience. Il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Hein? Donc, comme je vous disais, si vous pensez que vous êtes battu, bah, vous le serez. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'oserez pas non plus. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. Hein? La dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts, ni les plus rapides qui la gagnent. L'homme
tôt ou tard, remporte une victoire. Et c'est lui qui pense qu'il est capable, il sera capable. Mesdames et messieurs, dans mes vidéos, vous aurez toujours des pensées qui vont vous encourager dans le sens de l'entrepreneuriat, dans le sens de la créativité. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer que 820 milliards ont été partagés, hein, ont été partagés dans le monde par 5% de la population. Et pendant que certains croupissent dans la galère, alors moi, je me suis dit, je ne serai pas ce genre de personne qui va croiser les bras, hein, qui va rester allongé, attendre que cela arrive. Mesdames et messieurs, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, je suis ici pour partager des pensées, pour partager des nouvelles connaissances. Vous le savez, si nous donnons pas la main, nous n'allons pas avancer face à cette situation qui nous arrive. Je me suis toujours dit que voilà, si je croise le bras, bah, rien n'arrivera. Et si on assiste, bah, on sera toujours désassisté toute notre vie. Autant jeter la force et son dévolu sur les choses qui vaillent. Voilà. Là, nous sommes toujours sur Ads Manager. Hein. Ads Manager. Là, on est dans la gestion d'audience. Vous pouvez voir ici sur ma page à moi, ça c'est ma page à moi, hein, c'est ma page à moi. Et il me dit audience personnalisée, communiquer avec les personnes qui ont déjà montré un intérêt pour votre entreprise ou votre produit avec les audiences personnalisées. Donc là, si je veux, je peux créer une audience personnalisée. Ici, je peux créer une audience similaire. Ici, je peux créer une audience. Je peux enregistrer les audiences que j'ai déjà préétablies à l'avance. Tout de suite, là, on est toujours dans le cheminement. Donc, il faut bien suivre. Il faut bien suivre ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, on clique là. Voilà. Et là, vous arrivez à partir d'ici, vous allez tout droit en bas. Vous descendez. Toujours en bas. Il est où? Wow, il est là. Audience Insign. Il est là. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous allez voir la nouvelle interface. Donc, bon courage. Je remercie beaucoup la dame qui m'a posé cette question hier parce que je l'avais effectivement remarqué que la nouvelle interface, hein, la nouvelle version de Audience Essence avait changé. Et cette dame, je la remercie beaucoup de m'avoir averti. Et voilà pour cela, si vous avez cette vidéo, c'est grâce à elle. Et c'est pour cela que je vous ai dit, posez des questions. Si vous ne posez pas des questions, vous n'allez pas avancer. Je vous dis. Moi, je prends 1 heure par jour pour me poser des questions, pour me poser simplement des questions sur le business, sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez acheter une formation aujourd'hui, vous pouvez l'abandonner au bout de 1 semaine, au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, parce que il faut vous poser toujours la bonne question. Il faut faire un objectif de ce que vous allez faire. Donc là, nous sommes sur. Vous voyez, ça c'est la nouvelle interface. Vous voyez, c'est la nouvelle interface. Là, c'est directement ma page. Ici, Facebook m'informe que voilà, il y a 44 millions, hein, 44 millions de personnes, hein, des personnes qui sont suggestives, hein, qui sont suggestifs de venir s'abonner à ma page, de venir voir ce que je propose à ma page. Donc là, Facebook me dit qu'il y a 44 millions de personnes qui sont intéressées par ce que je propose, hein, les formations en ligne, les business en ligne, l'entrepreneuriat, l'e-commerce, le marketing digital.
Donc, il y a 44 millions, hein, 44 millions de personnes que moi, je peux atteindre si je lance une campagne. Voilà. Vous allez voir ici la taille de l'audience. Ici, on a 40, hein, moins de 44,50% des hommes. Et là, on a 55. Donc, il y a les femmes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir ici, hein, entre 18 ans et 24 ans, 57% des hommes, 5% et 5,9% des hommes, 5,7% des femmes entre 18 et 24 ans. Et ici, vous allez voir entre 25 et 35 ans. Donc, en fait, je peux lancer une campagne, hein, je peux lancer une campagne ici à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans. Donc, entre les 44 millions, là, je vous assure, vous pouvez avoir au moins 200 personnes qui est sûr et certain qui vont venir voir la publicité que vous avez lancée en ligne. Ça, je vous le sûr et je vous le garantis. Parce que je l'ai déjà testé. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà testé. Hein. Il y a beaucoup qui vont juste avec ça, avec Facebook. C'est pour cela, vous qui regardez cette vidéo, vous avez la chance d'avoir ces informations-là. Il y a des millions de personnes qui sont connectées sur Facebook, mais qui sont dans de l'autre côté, le Facebook basique, où ça bavarde, où ça parle H24, que des conneries. Mais ici, dans cette chaîne, vous allez toujours avoir des suggestions, hein, des idées de business qui vont vous booster. Parce que moi, je ne vous cache pas, je pars de zéro. Hein, je pars de zéro. Je ne suis pas un expert. Je suis pas, je pourrais pas m'annoncer comme un expert, mais j'ai étudié, j'ai expérimenté et je partage. Je pouvais bien rester chez moi, tranquille, le garder pour moi. Moi, j'ai grandi dans les valeurs du partage, de l'amour, de l'entraide, hein, de se soutenir. Moi, c'est ce qui m'anime. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Donc, nous allons descendre, vous allez voir ici. Hein, rien que à Paris, hein, rien que à Paris, il y a 6,17. Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Bordeaux, Montpellier, hein, Strasbourg, Lille. Ouais. Et là encore, un peu plus en bas, il me donne encore les pages Facebook où je peux uniquement cibler mes campagnes pour atteindre les gens qui vont venir satisfaire mes objectifs de campagne. Donc là, je peux uniquement prendre Rémi Gaillard, sais-tu que, hein, vous allez voir dans Criminal Case, dans les jeux vidéo, il y a 6%, donc il y a des millions, entre les 44 millions là, il y a des millions de personnes qui sont là. Donc Criminal Case, je peux leur envoyer, je peux leur cibler, les envoyer une campagne, hein, pour qu'ils puissent venir acheter mes produits. Si par exemple, je vendais des vêtements, hein, si je vendais des vêtements, je peux les cibler. Donc là, ici, dans l'ancienne interface, ce qui a tout simplement changé ici, c'est le filtre qui est là. Regardez ici, là. Le filtre. Alors, si je clique sur le filtre, vous allez voir, il va me donner les détails à faire. Là, il peut me dire, ben voilà, lieu, je vais écrire par exemple lieu France. France, pays France. Voilà. Et voilà, vous avez vu, il y a toujours les 44 millions là, ils sont en France. Donc, après, ici, je peux descendre, je peux choisir uniquement que les hommes. Vous allez voir ce que ça va donner. Uniquement les hommes. Si je vais cibler uniquement les hommes qui viennent acheter mes produits, voilà, il y a 21 millions. Et là, si je mets uniquement les femmes, vous allez voir, il y a 21 millions aussi. Donc, l'écart n'est pas trop, hein, l'écart n'est pas trop large, mais ça veut dire que si j'ai des produits à vendre, je peux uniquement faire ce filtre-là. Voilà. Et là, si je mets, par exemple, si je veux vendre, par exemple, des vêtements d'enfants ou des vêtements des femmes ou des vêtements des hommes, je peux mettre ici mode. Hein, et shopping et mode, par exemple.
Voilà, il y a 33 millions. Et dans les 33 millions, je peux les scinder en deux. Je peux faire une campagne directement, j'envoie chez les hommes, et une campagne, j'envoie chez les femmes. Je peux scinder ma campagne en deux. Hein? Ici. Voilà, ça, c'est les langues. Ça, c'est les langues. Vous pouvez mettre la langue. Hein? Si vous êtes en Afrique, vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Vous pouvez mettre le swahili, hein? Ou uniquement le lingala, ceux qui parlent le lingala. Hein, c'est uniquement le lingala, vous pouvez le mettre en Afrique. Voilà. Donc ici, je veux encore vous ajouter. Là, vous pouvez encore ajouter, hein, vous pouvez encore ajouter un centre d'intérêt, par exemple. Je vais mettre, vous allez aussi cibler ceux qui vont ceux qui sont mariés, par exemple. Hein, ceux qui sont en mariage. Si vous vendez des robes de mariée, par exemple, vous mettez les robes de mariée. Hein, vous mettez les robes de mariée. Après là, ici, regardez. Ah, ici, regardez. Là, regardez ici. Là, il me dit de le créer. Donc, c'est-à-dire, si je clique ici, je peux créer l'audience là et je vais la sauvegarder quelque part. Ici, je vais la sauvegarder. Après, si je peux aussi, hein, je peux ici. Attendez. Ici, je peux ici, hein, ici, je peux exporter toutes ces données-là en fichier Excel ou fichier Word. Je peux exporter ça et puis je vais travailler tranquillement. Je vais voir quels sont mes objectifs que je vais atteindre. Je vais par exemple faire une campagne de publicité uniquement avec des stories. Je peux aussi configurer une campagne à côté, juste avec des posts, hein, des miniatures, des vidéos. Hein, vous mettez les produits que vous vendez, vous mettez sur, vous faites des jolies miniatures qui va attirer les clients, qui va faire l'effet waouh. Hein, comme vous voyez, l'effet waouh. Donc, si je continue ici, si je continue ici, voilà, je peux créer cette audience et je la sauvegarde quelque part. Donc, voilà la nouvelle interface. Comment vous pouvez paramétrer, vous pouvez commencer à changer les divers scénarios pour voir qu'est-ce qui va donner. Et bien évidemment, il faut lancer deux à trois campagnes. Donc, il y a un ad set pour les storylines, les storytelling, un autre ad set pour juste les photos. Vous pouvez aussi créer troisième campagne où vous allez mettre uniquement la vidéo. Vous faites un bon montage de vidéo de votre produit. Hein. Si c'est, par exemple, si par exemple, c'est un livre, vous voulez vendre un livre, vous filmez le livre comme vous filmez vous-même. Hein. Il y a des gens qui sont incapables de filmer leurs produits, mais pour faire des selfies, pour faire des selfies, ils sont capables. Voilà. On donne beaucoup plus d'importance à ce qu'ils ne nous éduquent pas, mais ce qu'ils peuvent nous apporter. Là, franchement, vous pouvez faire ça, mais si vos miniatures sont pas jolies, ça peut pas marcher. Hein, ça ne peut pas marcher. Si votre vidéo, elle n'est pas engageante, elle n'est pas, il n'y a pas un bon call to action à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour cela, l'entrepreneuriat, c'est tout ceci. Savoir faire un petit montage pour ses produits, savoir faire des miniatures, hein, créer des jolies miniatures, trouver des phrases accroches pour que les gens cliquent parce que la bataille est rude sur Internet. C'est pour cela que vous pouvez acheter juste une formation. Ça va pas vous donner tous les détails et vous allez abandonner. Celui qui se lance en business en ligne, c'est un combat. Donc, c'est pour cela que vous devez vous nicher. Hein, vous devez vous nicher dans une niche où vous allez vous en sortir. Mais si vous voulez attaquer les grands marchés ou les grandes multinationales, je vous assure, ils vont vous noyer. Moi, je démarre des zéros. Au fur et à mesure, je découvre. Depuis 2020, je suis en train de découvrir des choses. Et ça m'apporte de l'expérience. L'entrepreneuriat,
ça ne suffit pas seulement de lire ce qui est écrit dans tes formations, mais de l'expérimenter. C'est pour cela, dans cette chaîne, toutes les vidéos qui sont là sont pour vous éduquer, pour vous accompagner. Si vous les prenez à la légère, c'est comme vous voulez. Moi, je ne fais que partager à la nouvelle génération qui va venir, qui vont vouloir s'éduquer, qui vont vouloir s'informer, qui vont vouloir s'attacher aux valeurs qui est le partage, l'amour surtout. Mais la haine, ce n'est pas dans cette chaîne. Vous voulez jouer, vous voulez faire la fête, il y a beaucoup d'autres chaînes qui parlent de ces thématiques-là. Moi, je veux éduquer les nouvelles générations. Parce que quand j'étais plus petit, j'ai pris l'éducation dans la rue. La rue m'a éduqué. Quand j'avais 15 ans, il suffit que je ferme les yeux, je voyais le chemin qui faisait à gauche. C'est pour cela que j'ai été meneur quand j'étais enfant. Quand j'ai grandi, j'ai oublié toutes ces valeurs-là. J'ai commencé à suivre certains comportements qui n'étaient pas adéquats à moi. Je me suis perdu. Aujourd'hui, j'ai pris un recul. Je me suis dit, si je ne fais rien aujourd'hui, demain, il n'y aura rien. C'est pour cela que je suis en train de monter petit à petit dans l'entrepreneuriat. Si vous aussi, vous voulez vous accrocher, accrochez-vous. On va avancer tout doucement. Je ne suis pas une personne qui est à la pas du gain facile. Je ne crois jamais à l'argent facile gagné sur Internet. Je ne crois jamais à une machine d'argent qu'on va venir déposer chez toi et qui va te rapporter des millions. Moi, je crois seulement au travail, au sueur de son front, aux stratégies, à l'apprentissage. C'est ce que moi, je crois. Prenez les bonnes décisions dans votre vie, surtout dans votre business. Le business, il est lucratif. 820 milliards ont été partagés par 5% de la population mondiale. Ça ne vous dit rien peut-être. Moi, ça me fait pas dormir. Je me pose pas la question pourquoi eux, ils ont gagné. Je me dis seulement, comment puis-je, moi aussi, tirer parti de ce gâteau qui se partage en ce moment sur Internet. Voilà. Et là, je vais vous présenter le Vie d'ensemble. Vie d'ensemble est là, c'est ma page. Hein. C'est ma page. C'est sans mes pensées à moi. C'est sans mes inspirations. Hein. Je vous ai dit que je démarre de zéro. Ma page, ça fait même pas une année qu'elle est sur, que je l'ai lancée. Je l'ai lancée moi-même. Et vous aussi, si vous voulez vendre des produits en ligne, il faut commencer par vous créer votre propre page. Parce que vous pouvez venir à Suite Business si vous n'avez pas de page. Où est-ce que vous allez lancer? Il faut bien quelque part. Par exemple, ici, je vais vous montrer. Vous allez voir. Là, ici, je vais vous montrer. Si j'ai envie de faire la promotion de ce post-là, hein, je peux le faire. Je peux lancer campagne. Je peux payer 10 euros. Je peux payer 15 euros, 20 jusqu'à 100 euros. Je lance la campagne. Je dis, ah, Facebook va me chercher des personnes qui vont uniquement venir lire ce post-là. Facebook, il connaît ces personnes. Il connaît ceux qui aiment s'instruire, ceux qui aiment découvrir. Il va les voir. Mais comme je suis en train d'expérimenter, hein, donc je ne peux pas encore lancer une campagne parce que pour moi, ce n'est pas dans mes objectifs. J'ai déjà des objectifs que je me suis fixés. C'est de comprendre et d'expérimenter, mais pas de lancer une campagne. Le jour que je vais lancer une campagne avec un post, le jour que je vais mettre des produits à vendre ici, je ferai une vidéo de 2 heures parce que lancer une campagne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits trucs. Il y a des audiences personnalisées. Il y a comment exclure des personnes que vous ne voulez pas qu'ils puissent voir votre campagne. Il y a beaucoup de choses à faire et ça, ce n'est pas une vidéo de 30 minutes, je vous assure. C'est pour cela que je vous dis, quand vous voyez une vidéo qui dure 2 heures, 3 heures, regardez-la jusqu'à la fin. Et c'est surtout là, à la fin, dans une vidéo où il y a des informations vitales. C'est ça l'information. Celui qui est un businessman, quand il veut vous apprendre le business,
Il y a beaucoup de gens, ils ont des techniques d'apprentissage. Il y en a certains, ils jettent des informations très vitales sur YouTube, mais les gens, ils ne les voient pas parce que vous n'avez pas développé votre acuité sensorielle. C'est ça aussi le business. Le business, c'est un homme qui se réveille le matin, il s'est dit, mon business aujourd'hui, quel est mon programme? Tu visualises ton programme déjà dans la tête. Tu te dis aujourd'hui, je vais tourner une vidéo. Tu te dis aujourd'hui, je vais apprendre sur Google à télé numérique. Tu te dis aujourd'hui, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et non, n'est rien faire. Moi, aujourd'hui, je préfère passer 6 heures en train de travailler, chercher, découvrir, expérimenter, que de passer 1 heure sur Facebook où je vais juste parler avec des gens qui vont jamais me comprendre. Vous, likez cette vidéo, abonnez-vous et ensemble, nous allons continuer, vous allez découvrir. Donc voilà ici, hein, là c'est des résultats. Hein. Il y a les résultats, il y a pas encore beaucoup de résultats parce que la page, j'ai pas envie de lancer des campagnes tout simplement parce qu'il faut lancer une campagne et appeler les gens. Non, j'ai des objectifs, je vais pas à pas, je démarre de zéro. Hein. Démarrer un business de zéro. Il faut que moi-même, je puisse comprendre comment ça fonctionne. Là, je peux appeler des annonceurs qui vont venir poster des choses que les gens ils vont aimer. Moi, je veux d'abord le faire moi-même. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.